Alors, maman, est-ce que je t'ai bien eu? Avoue-le. Avoue-le. Comment tu te sens? Je vais te dire un gros mot, excusez-moi. Mais non, non. Je t'emmerde. Hi guys. Alors, j'ai fait mon intro très vite fait parce que je n'ai pas le temps et je veux pas que ma mère, elle me grille. Je suis sur le point de lui faire un prank. Donc là, actuellement, au salon, il y a toute la famille. Et en fait, demain, il y a une grande fête et ma mère veut être la plus belle. Donc, c'est pas tout le temps que ma mère a l'occasion de jouer sa Beyoncé. Pourtant, elle kiffe ça. Et donc, du coup, pour demain, elle a misé le gros lot et elle a commandé clairement la robe de ses rêves, en fait. Bon, une vieille robe que je trouve même pas jolie, mais elle la kiffe de ouf. Et elle voulait absolument que sa robe, elle vienne samedi pour qu'elle puisse la porter dimanche. Donc c'est une robe qui vient des États-Unis et elle avait peur justement que sa robe ne vienne pas à temps. Je lui ai fait croire que sa robe n'était pas là, alors qu'en fait sa robe, elle est là. Donc du coup là actuellement, elle est découragée, elle est dépitée, elle a le moral à zéro. Elle n'a même pas envie d'aller se faire coiffer, franchement. Elle est grave dans le mal en fait parce qu'elle avait tout misé sur cette tenue-là qui vient des États-Unis. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a sonné, elle croyait que c'était le livreur parce que du coup c'est le dernier jour où elle peut se faire livrer. Elle a commencé à danser. Gangnam Style. Et à l'interphone, quoi, elle a vu que c'était pas le livreur, elle est en mode elle avait grave le seum. Alors qu'en fait, son colis, il est là, son colis. Et j'ai hâte de voir du coup sa réaction. Sachant que ma mère n'est pas une dame qui aime les blagues. Clairement, je vais vous dire, elle n'aime pas les blagues. Donc, je ne sais pas si elle va bien réagir. Elle n'aime pas qu'on la prenne pour une conne, qu'on rigole. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Et même moi, j'aime pas qu'on fasse ça. Mais, vous connaissez, non? Juste avant de commencer, s'il te plaît, permets-moi de te dire deux choses. Premièrement, tu peux me retrouver sur Instagram et Snapchat là et là, ainsi qu'en barre d'infos. Mes mèches, non, c'est pas mes mèches. Ma perruque vient de chez Na Beauty. Et franchement, je la kiffe. Attendez, je vais vous la montrer en mode brossé et en mode mouillé. Donc, franchement, là, j'ai une tête, laisse tomber. Mais je suis à la maison et je suis censée faire un prank. Donc, je suis pas censée être en mode. Donc, je kiffe ça. Jackson 5. Genre, c'est la perruque qui me manquait dans ma collection de perruques en fait. Là je peux grave faire croire aux gens qui n'y connaissent rien en perruque que ce sont mes cheveux parce que ça fait vraiment cheveux assez afro, métissé et tout, tu vois. I just love it. Mouillé, ça fait comme ça. Ça fait archi cheveux vrais, wesh. Et ça fait archi cheveux vrais. Et je kiffe de fou malade, donc si vous êtes intéressé, tout est en barre d'infos. Oh putain, je kiffe de fou. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste mes vidéos. À liker cette vidéo si tu veux plus de pranks, un peu de parfum. Let's get into it. Ok, alors là, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre la caméra au salon. Ensuite, je vais lui poser des questions pour voir comment elle est énervée par rapport à son colis qui n'est pas venu. Et ensuite, je vais lui montrer. On va faire ça comme ça, je crois. Ouais. Ah oui, désolé, et très important, je dois vous le dire pour que vous puissiez bien comprendre le prank et ne pas penser que c'est un prank arrangé. Vous allez y voir ma mère qui est au courant qu'elle est filmée. Non parce que c'est un prank arrangé, mais parce qu'en fait, je lui ai menti que je testais l'autonomie de ma nouvelle caméra. Et en plus, j'ai l'habitude, moi, à la maison, de filmer tout le monde. Tout le temps, je filme mes soeurs, ma mère et tout. Je les fais chier avec ma caméra et ils sont au courant, en fait. Donc, du coup, ma mère s'est juste dit que c'était un jour comme les autres où Penola a encore décidé de nous embêter avec sa caméra. Mais à aucun moment, elle s'est doutée que je voulais la prank. Parce qu'en plus je n'ai jamais fait de prank. Donc elle ne peut vraiment pas faire le lien entre les deux en fait. Je ne sais même pas si elle sait ce que c'est un prank. Vous y verrez également mes soeurs qui sont hyper à l'aise devant la caméra. Et c'est parce que j'ai l'habitude de filmer tout le monde dans la maison en fait. Mais vraiment tout le monde. Et c'est une robe sans manche. C'est elle qui a levé la robe. En parlant de robe. Du coup j'avais de quoi pour demain. Je vais en bon amour. Pourtant dit d'avoir espoir jusqu'à 13h. Ah d'accord. Ah, ils sont venus, ils ont laissé dans la boîte aux lettres. Hein. Non, j'ai vérifié dans la boîte aux lettres, là, il n'y avait rien. Et vous avez regardé votre suivi de colis sur ordinateur? Oui, ouais, voilà. Il devait venir aujourd'hui. Tu l'as vu ce matin? Oui. Ce matin? Oui. T'es sûr? Oui. Donc, il va arriver ton colis. Ah ouais? Non, je suis en train de tester un truc par rapport à la luminosité. Déterre avec son colis. Hein. Juste là, elle va sur le balcon. Elle veut trop son colis. Tu vas en pétard? Elle c'est là. T'es pas mal après. C'est une belle ça. T'as vu le facteur? Non, personne. Arrête, Madila. Elle ne peut pas rentrer comme ça. Elle est sur place. Elle est obligée de dire, Madila, tu peux te pousser s'il te plaît? Oh, la robe là, Seigneur. Oh, Pénata met le mot devant la porte. J'ai mis le mot là.
tout foutu. Comme ça, t'es foutu, mais t'auras ta robe en fait. On attend 13h. On attend 13h. Au pire, t'as plein d'autres robes de toute façon. Là, mais m'énerve pas. Hein. Ah, à ce point? Ah, t'as fait une robe, non? Il est quelle heure là déjà? Il est 11h30. En plus, collectivement, c'est eux qui commencent très tôt le matin, non? Tu peux voir sur ton téléphone, s'il te plaît? Ok. T'as dit quoi? Je t'ai oublié, pourquoi? Le suivi? Oui. Non, je regarde, attends. Elle a dit, Seigneur, fais un miracle. Alors là, elle est persuadée que... Enfin, elle est persuadée. Elle a espoir que son colis viendra avant 13h. Donc là, si je regarde l'heure, il est 11h33. Donc soit je suis une salope et j'attends 13h, voire 14h pour lui donner son colis. Ou soit je suis gentille et je lui donne maintenant pour qu'elle arrête de stresser. Et devinez quelle option je vais choisir. 13h. Non, je vois pas. Hein. Je vais à la poste. Ouais. Il y a un suivi de colis là-bas. Il y a un numéro. Bah, je pense que le nom ça suffit. Hein. Non, allez, allez. Si il y a un numéro, tu me donnes, je descends. Tu veux que j'aille avec toi? Oui, si tu veux. Ouais. Alors là, en fait, on va à la poste. Mais j'ai peur qu'à la poste, quand on donne le numéro de suivi, ils vont crier que le colis il a été livré hier. Donc du coup, bah, j'ai modifié le numéro de suivi. Comme ça, normalement, bah, ils ne trouvent pas, en fait. Donc là, on va se déplacer pour rien. Enfin, elle va se déplacer pour rien. Et je pense qu'elle va me tuer encore plus, du coup, on va voir que j'ai le colis. Chérie, il faut que ça pète. C'est belle. Masha'Allah. Ouh là là. Wangrifi. Ouh là là. Oh là là. Beyoncé. Beyoncé, que je peux avoir un autographe? Beyoncé. Oula, faut pas être aigri dans la vie, maman. Ah, il y a la poste qui livre. Beyoncé. Il y a un truc? Oh, tu l'as mis. Oh, là, c'est ce mal, je ne sais pas ce que tu fais là. Et tout ça pour une robe, frère. Et je suis mort. Et tout ça pour une robe. C'est bon, hein? Bah, c'est bon, maman. Ouf. C'est pas ouf, ouais. Mais c'est bon, je vous avais tous la pression à la maison pour une robe, frère. Tu vas voir ton colis, t'es contente? T'es contente? T'es contente? T'es contente? Tu vas voir ton colis, t'es contente? Dis que t'es contente, sinon tu le rates. Ah, tu me saoules! Tu me saoules! Oh, tu me fous les boules! Hé, hey, y'a une guêpe! Osei! Vous l'avez pas? J'ai Sui, c'est le seul que j'ai. C'est pas vrai. C'était une première présentation? Pardon? C'était une première présentation? Oui. Oui. J'en ai qu'un aujourd'hui. Un seul colis. Ce qui n'est pas encore arrivé à l'agence. Bah sur le suivi, ils ont dit livraison prévue aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui, c'est qu'il a été flashé. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un paquet d'avis dans la liste. Moi, je teste mon autonomie. Hein. Vous trouvez pas? Non, il me dit que le numéro est correct. Comment? Ouais, mais vérifiez votre numéro parce que. Ouais, il dit que le numéro est pas correct. C'est fermé à la poste. Et quelle heure maintenant? Enfin, midi 30, ça ferme. Je crois que c'est midi et demi. Ça ferme à la poste, quand tu sais. Hein? Allez voir. On sait jamais, c'est vrai. Bonjour. C'est pour récupérer un colis. Ok, 8K, 18, 57, 54, 32, 001. Il n'est pas reconnu le numéro. Et avec le nom, on peut pas le... Non, c'est que des codes barres, en fait. Vous savez, les machines aujourd'hui, c'est que des codes barres. Merci beaucoup, hein. Au revoir.
fais des vidéos sur internet. Oui. Tu me suis sur YouTube? Oui, moi aussi je fais des vidéos. Je peux faire une vidéo avec toi? Oui, bien sûr. Tu vas me dire sur la coiffure au pire. Je prendrai la perruque bleue. Je te maquillerai. On va me mettre belle. Hein. C'est demain. Ouais, mais je te maquillerai demain. Je te maquillerai, tu vas tout dire sur le visage. Alors, et elle est trop triste, j'aime pas la voir comme ça. Et elle a envie de pleurer, elle a le mort. Ça fait des jours et des jours qu'elle attend ce colis. Donc, vas-y, je vais lui donner son colis et on verra sa réaction. Donc, d'abord, je vais. Ouh, c'est penché, désolé. Donc, d'abord, je vais poser la caméra dans le salon et ensuite, je vais lui offrir le colis. Voilà, et là, tu es voilà. Pas comme ça, tu soulèves ta jambe là, tu tiens ici. Là. Au revoir, Payou, là. Comme ça. En fait, il faut. Tenez, papa, ton rat, tu peux te calmer. Ok. Alors, ça, c'est son colis. Et je vais lui livrer. Enfin, lui livrer, lui donner, du coup. Ferme les yeux. Oh, demain, okay. Tu vas. Hein? J'ai ton colis. Tu as dit que c'est ça? Elle était au bord de la rue. Elle a son colis. Est-ce qu'on voit du rose? Comme le rose de la robe. Ah, donne-moi les ciseaux. C'est pas rapide. Est-ce qu'on voit le rose de la robe? Donc tu avais la robe, mais tu m'as fait aller à la poste. Imbécile. La surprise. Elle voulait me pleurer. Non. Attends, elle voulait me pleurer. Boutman, je t'ai pranké. Mais attends, donc tu avais le colis mais tu m'as fait partir à la poste. En plus elle avait mes cheveux à finir. Je t'emmerde. Non mais c'est vrai, tu avais le colis ou tu savais pas aussi? Je l'avais depuis vendredi. Donc, Penola, tu avais le colis, tu te rends compte? Elle m'a fait. Ouh, moi je dis Penola 1, maman 0. Même le numéro de suivi, je l'ai modifié pour pas qu'il puisse le retrouver. Je te crois pas. Je te jure? Non, je te crois pas. Je te jure devant Dieu. Le numéro de suivi, si je donnais le bon numéro de suivi, il aurait écrit qu'il était livré hier. Et j'étais où? J'ai là? Non, tu faisais tes cils. C'est quand tu faisais tes cils qu'ils ont livré la robe. Alors maman, est-ce que je t'ai bien eu? Avoue-le. Comment tu te sens? Je vais dire un gros mot, excusez-moi. Hein. Mais non. Je t'emmerde. Ouais, mais avoue, je t'ai bien. Non, mais parce que tu m'as fait stresser. Tu m'as fait stresser. J'ai envie de te taper. C'est pas bien, je me fais pas des trucs comme ça. Mais hein. Je t'ai bien eu quand même. C'est pas une crise cardiaque. Dans une robe. Mais oui, c'est ma robe. C'est ce que je voulais mettre. Je me voyais déjà dedans. Ouais. Avec ma coupe et tout. Et là, et tout ça. Ne fais plus ça, wesh. Ok, Lawson Squad. Donc, si vous trouvez que j'ai bien pranké ma mère, il faut. Attends, c'est pour ça que tu as pris la caméra. Tu me dis, je teste mon autonomie, c'est faux en fait. Ouais, il y a en avant, il y a après. C'est qui vraiment la bootman entre nous deux? Avant et après. Avant, après. Rendez-vous tomorrow, 10h, you see my dress. My new dress. Non, tu n'essayes pas, Caro? Non. Ça devait filmer dans la rue. Voilà. Tu m'énervais en plus quand tu filmais là, tu m'énerves. Je vais te casser la caméra. Je courais comme une dingue. Imagine, je me casse les dents à cause des pranks.
Voilà, ce prank est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. C'est mon premier prank sur ma chaîne YouTube. Donc franchement, si je vois qu'il y a pas mal de likes, et ben j'en ferai plus. Et puis, je trouve que je me suis trouvé des talents de prankeuse en fait. Bon, franchement, en fait, je suis fière de moi. Parce que j'ai pu ne pas rire et tout et tout et tout. Et vraiment, je suis grave fière de moi. Donc s'il y a 8000 likes, je ferai un autre prank à la personne de votre choix. Donc dites-moi en commentaire qui de mon entourage vous voulez que je prank. Et des idées aussi de prank. De toute façon, je suis assez créative, mais... C'est toujours à prendre vos idées, c'est toujours à prendre. Sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Lawson Penola, sur Snapchat, Penola38229, et ici sur ma chaîne YouTube, Lawson Penola. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et tous les liens de mes réseaux sont aussi en barre d'infos, ainsi que de cette théorie-là que j'ai, Na Beauty.